Non. Mon frère, il te dit que le gars là, le type là est dans la secte. Il te dit, si ce n'est pas la secte, c'est que peut-être il a vendu son père et on n'a pas encore payé. Ou alors peut-être même que son père n'est même pas mort, vrai, vrai. Peut-être qu'il a simulé la mort de son père comme ça là. Et ce n'est pas le corps de son père qui était dans le secret. Peut-être c'est la poupée. Non, laisse ça, le gars là, l'argent. Écoute-moi, Ludo. Le secret de son père, c'est un secret qui pouvait coûter dans les 1,5 million. J'ai vu la veste là-bas. Je connais. J'ai vu le costume de son père là. C'est le costume, le 1 million. Le programme des obsèques, mon frère, le programme, la qualité du papier, le papier glacé. Mon frère, il dépense l'argent comme ça là pour les utilités. Nous, on achète le t-shirt. Gars, le t-shirt coûtait 15 000. 15 000. Et les gens de t-shirt là, je connais ça. C'est déjà le t-shirt qu'on fait à 2000 là. Il a bénéficié 80% de retour sur investissement. Tu parles de quoi? Oui! Mais il est là où on parle à la collation. Il n'est même pas capable de recevoir les gens normalement. J'ai mangé quoi? On m'a donné un petit peu. Ils ont pris la pierre comme ça. Ils ont trempé dans l'huile du poisson. Ils ont caressé. C'est ça que j'ai mangé à la collation. Oui, mon frère! On parle à la nuit, c'était même pas le téléphone profit. Il pleut, mais c'est le café, ou bien c'est le contre-café, ou bien c'est quoi même qu'ils ont donné aux gens, je ne sais pas. Gars, je dis, non, Oumaru, on peut comprendre. La relation chez Oumaru, c'est un musulman. Quand son père m'a appelé directement, mais lui n'est pas musulman. Il n'est pas musulman. Gars, tu gardes le corps de ton père à la mort pendant 2 mois. 2 mois. Et tu n'arrives pas à recevoir les gens à la collation. Non, il est chiche. Il est chiche. J'ai vu quoi? On m'a donné une petite canette de bière. Les bières, les marques de bière qu'on ne connaît même nulle part. Tu tapes la marque de la bière sur Google. Ça te montre la photo d'avance la vie. Non, gars, mon frère, il dit, attends. Quand mon père va mourir, il va montrer aux gens là ce qu'on organise. Tu comprends? Si je ne suis pas prêt, je n'organise pas. Les gens ne peuvent pas partir les Yaoundé vendredi. On roule d'abord pendant 2 jours pour arriver dans ton village. Les voitures déjà se sont gâtées. On vient même donner la nourriture à la population. J'ai contribué 50 000. Ma femme a contribué. J'ai contribué pour 2 personnes. Ma femme est rentrée là-bas avec les moumoutes. Et on a même rien mangé. On a rien vu. Hein? Non, je dis que mon frère, si tu as deuil dans ta famille et tu n'as pas l'argent pour organiser les obsèques, pour bien donner la nourriture aux gens, ça ne sert à rien. Tous les gardes du corps comme un noir pour courir devant le corbillard. Choisis le corbillard cher, le secret cher. Si tu n'as pas l'argent pour la relation, tu n'as rien fait. C'est un pouvoir pourri de...